foutez-vous la paix. Je parlerai de lecture et des livres que je suis en train de lire et qui me bouleversent. Et là, je suis en train de pédaler. C'est pour ça que je bouge un petit peu. Je suis en train de pédaler pour recharger le portable. Foutez-vous la paix. C'est vraiment un livre. Waouh ! Et ça bouleverse. Alors là, ça bouleverse, mais alors complètement les codes de la méditation. Moi, ça m'a éclaté, quoi. J'en suis à la moitié du livre. Je vois plus du tout la méditation de la même façon. Et je dois dire même que ça m'a aidé à avoir une méditation beaucoup plus performante. Parce qu'effectivement, je me fous la paix. Je suis à la moitié du bouquin et waouh, ça change vraiment les choses. Hein. Moi, je me suis retrouvé et parfois, je me suis pas retrouvé quoi, sur le fait de se voir juger, enfin de se voir de voir les idées en nous, etc., de devenir plus conscient. Et puis je me suis surtout retrouvé dans le fait de me foutre la paix, c'est-à-dire, allez, aujourd'hui je m'en fous de la technique, je médite et c'est tout. Je dois dire que depuis que je ne cherche pas la performance et que je ne cherche pas à garder la même technique à chaque fois, eh ben ça va beaucoup mieux. Ah, c'est super déculpabilisant. Un, c'est déculpabilisant. Deux, c'est réénergisant. Moi, je conseille vraiment ce livre qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressants, mais si vous avez cette approche aussi de ne pas être dans la performance lorsque vous faites de la méditation, il faut que je fasse comme ça, il faut que j'y arrive. Déjà, faites les choses convenablement. Faites les choses, pas convenablement même pas, faites les choses. Faites les choses et vous verrez que vous allez débrancher. Vous les faites et c'est tout. Nico, bienvenue, Claquinette, bienvenue sur ce périscope positif et plutôt pour passer au niveau supérieur avec un nouveau concept. Je fais du vélo d'appartement et en même temps, je vous parle de livres qui sont intéressants pour vous, que je suis en train de lire et que je vous conseille. Et si vous n'aimez pas lire, vous allez comprendre très très vite que les leaders sont toujours des lecteurs. Les leaders sont toujours des lecteurs. Je répète, les leaders sont toujours des lecteurs. Vous voulez être un leader, vous voulez être une leaduse, lisez. Lisez des livres qui vous feront passer au niveau supérieur, quel que soit le domaine de vie. Et je vous conseillerais sur ça justement parce que moi, je reprends la lecture sur beaucoup de domaines. Ça permet de ne pas rester sur ses acquis, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai toujours des critiques sur tout ce que je suis en train de faire, que ce soit la méditation, que ce soit le développement personnel, que ce soit la relation aux autres, que ce soit la communication non violente, que ce soit la psychologie, les neurosciences. J'ai toujours des limites et c'est pénible hein, parce que je n'arrive jamais au bout d'une connaissance. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante au monde. Donc, il n'y a que vous qui sachiez exactement ce qui est bien pour vous. Ciao.